Salutations tout le monde. Je suis en compagnie de Samuel Tesser, que vous connaissez maintenant sans doute. Puis là, je vais me lancer une fleur. Ça n'arrive pas souvent que je fais ça. Il y a quelques années, mon œil de perdri m'avait dit, puis je l'ai dit publiquement à quelques reprises, regardez aller ce gars-là. Dans quelques années, t'es tout jeune, t'avais 19 ans, 18 ans, dans quelques années, ce gars-là, ça va être un de nos top pêcheurs de chien au Québec. Là, je vais pas me vanter, là. Mais là, Sam, t'as deux tournois de fête cette année dans Ultimate Bass, qui est actuellement la série la plus compétitive. Premier tournoi, on l'a gagné avec mon partner Mario Pêche. Puis la deuxième, on a fini quatrième. Donc là, ça nous place le premier pour l'équipe de l'année. Là. À date. À date, oui. Ma petite minute de vantardise est faite. Moi, je l'avais vu venir. Je peux au moins me vanter de ça. Sam, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens, mais évidemment, là, ta réputation est quoi de façon fulgurante dans le monde de la pêche à la chigan. Fait que les gens sont de plus en plus à l'affût des conseils que tu peux donner. Il y a trois techniques qu'on utilise beaucoup à la chigan, qui sont des techniques de finesse, qui sont très efficaces. Le Ned Rig, le Drop Shot, puis le montage wacky. Ouais. Quelqu'un qui veut s'acheter une canne à pêche pour faire chacune de ces trois techniques-là, j'aimerais ça que tu dises qu'est-ce que tu leur conseilles. Avec quoi tu aimes pêcher, toi, pour ces trois techniques-là? Parfait. Tiens, on commence par le drop shot. Le drop shot, parfait. Moi, drop shot, j'aime les cannes action médium légère entre 6 pieds 10 et 7 pieds 4. En ce moment, qu'est-ce que j'utilise? C'est une 7 pieds 1, médium légère, action extra rapide pour vraiment bien sentir la touche. C'est une canne que, personnellement, je trouve un peu raide. Je vais vous dire, bien honnêtement, là, je me suis acheté la canne, je l'ai essayé, tout ça va super bien quand on fait de la chignan très creux. Tu sais, qu'on pêche dans 25, 30, 40 pieds, il n'y a pas de problème, bonne force de ferrage, tout le kit. Mais quand on pêche dans 5, 6, 7, 0 à 10 pieds environ, là, je la trouve un peu raide. Je vais être honnête avec vous. J'aime une canne qui a une belle action parabolique, quand même assez molle, tu sais. Mais là, elle est raide. En tout cas, bref. Okay. Puis là, si je te demandais celle que tu nous parles là, quelle est-elle? Puis ensuite, peut-être conseiller aux gens, je sais que tu utilises des cannes quand même assez onéreuses, peut-être nous suggérer aussi une autre option. Un peu moins chère. Un peu plus abordable. C'est ça, un peu plus... Okay, donc actuellement, celle que tu lis, que tu viens de nous parler? J'ai un combo, en fait, c'est Diwosties AGS. C'est une canne qui se détaille à... C'est ça, je vais le dire pour que ceux qui... Faites pas le saut, là. C'est une canne qui se détaille à 699 plus taxes. Donc, pas 6,99 là. Non. 6,99 plus taxes. Parce que là, il faut rajouter, là. Fait que c'est une canne des alentours de 780-800 $ là, sans compter le moulinet, etc. Puis, tu sais, une canne de ce prix-là, on ne met pas un moulinet à 50 $ dessus, évidemment. Là. Fait que on met quand même un bon moulinet. Donc, c'est ça que j'ai pour le moment. Je pense éventuellement la changer. Parce que là, j'ai essayé, là, je l'ai dans les mains, je l'utilise pour faire autre chose, mais je vais en parler tantôt. Mais j'ai Nabi Garcia Zenon, qui est, écoutez, c'est de la bombe au drop shot. Vraiment, là, c'est une excellente canne pour le drop shot. Elle a vraiment le bout très rapide, mais là, quand on pique un poisson, l'action parabolique embarque, donc c'est pratiquement impossible de décrocher un poisson avec ça. Là. Une fois que son piqué, là, il décroche pas. Donc, ça, c'est une canne un peu plus raisonnable en termes de prix. On parle de 450 à 500 $ tout dépendant des détaillants. Mais sinon, là, vous pouvez aller dans la série, je vais prendre n'importe quelle canne à pêche dans les alentours de 200 $ pour bien faire le travail. Là. Ça prend vraiment une canne sensée. Puis moi, je pense qu'habituellement, 200 $ et plus, on se trompe pas. En bas de 200 $ des fois, il y a des lacunes au niveau de la sensibilité. Là, donc, on manque des poissons, là, surtout quand le poisson n'est pas très actif. Là. Fait que, permettrait, Sam, d'ajouter un petit quelque chose, parce que j'en faisais l'essai aujourd'hui. Parfait. Évidemment, c'est ma première fois, puis on n'a pas tant fait de drop shot que ça aujourd'hui. Ça s'y prêtait moins, ce qu'on faisait. Mm-hmm. Mais j'ai quand même eu une très bonne première impression. Mais mêlée, puis je ne la démêlerai pas pour l'instant. Legend Tournament de Sainte-Croix. Donc, 7 pieds 3. Donc, je vais chercher de la distance de lancer avec ça. Que j'ai pu voir une belle sensibilité. Fait qu'évidemment, je vais avoir l'occasion de la repêcher plus puis d'en jaser avec les gens. Mais excellente première impression avec cette canne-là. Fait que ça règle un peu la question du drop shot. Maintenant, si on parlait du Ned Rig. Technique que je pratique, que j'adore. L'important, vous allez voir une petite différence, une petite nuance. Je n'ai déjà parlé dans une précédente capsule. J'aime beaucoup les cannes entre 7 pieds et 7 pieds et 6. Mais moi, je me tiens vraiment dans les alentours de 7,3, 7,4. Médium légère, action rapide, c'est là la petite nuance. C'est pas extra rapide, c'est rapide. Parce qu'on veut vraiment aller chercher une action parabolique. Quand vous allez me trouver gossant, étonnant avec l'action parabolique, mais je vais vous faire un petit exemple. Quand je prends une canne comme ça ici, quand je donne de l'action, on voit vraiment que c'est le bout de la canne qui bouge. OK? Pas le restant de la canne.
OK. Donc, c'est vraiment au bout. Ça, ça permet de donner une bonne action au leurre puis de bien sentir les touches. Parce que plus que le bout revient rapidement, plus qu'on a l'effet de la touche rapidement, là, on va le sentir dans notre main. Là. Donc, ça, c'est important. Mais là, quand on vient dans une action plus rapide et non extra rapide, la canne, elle va venir plier plus en arrière. Donc, c'est un peu plus lent de sentir la touche. Mais tu sais, on parle de micro-nanosecondes. Des fois, là, c'est imperceptible là, versus, mettons, une canne qui est modérée. Là. Mais qu'est-ce que ça va permettre? Ça va vraiment permettre, quand on va pêcher un poisson, là, au lieu que ça soit juste le bout qui plie, ça va vraiment être la canne plus bas. Donc, on vient vraiment, je ne sais pas si tu peux le voir, là, comme ça, ici. Là. Un effet parabolique. L'effet parabolique, c'est ça, exact. On voit vraiment l'effet parabolique. Puis, qu'est-ce que ça vient créer? C'est que ça amortit les chocs. Donc, une petite bouche de 5 livres piquée avec un hameçon simple sur le bord de la babine, on veut pas que la canne amortisse pas le choc. Parce que si ça amortit pas le choc, puis que juste piqué sur le bord de la peau, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va déchirer, puis l'hameçon va sortir de la bouche du poisson. Donc, un bon effet parabolique, c'est vraiment important. Quand on pêche, mettons, des techniques comme le nez de rig, là, qui est vraiment un hameçon simple avec une tête, on perd beaucoup moins de poissons. Je l'ai remarqué avec le temps, on perd vraiment beaucoup moins de poissons qu'on pique, il reste là. Donc, Puis là, celle que tu utilises en ce moment au niveau de la marque? En ce moment, j'en ai deux. Okay. Là, ben, j'en ai une que là, vous n'avez pas vu vraiment à l'émission parce qu'il m'est arrivé un petit problème technique avec mon moulinet. Donc, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai les nouvelles X-Bass Series de Okuma. 7 pieds 3, medium light, action extra face, mais... La canne n'est pas extra face. Elle a une action rapide. Elle a vraiment une action rapide et non extra rapide. C'est vraiment ça la petite différence parce qu'il y a certaines compagnies, on va le voir, là, mettons, Abu Garcia, quand ils disent extra rapide, c'est extra rapide. C'est, tu te trompes pas, c'est vraiment une extra rapide. Quand ils disent rapide, c'est vraiment rapide. Comme des petites marques qui sont un petit peu plus tendance à tirer sur le rapide, comme Okuma, justement, avec leur canne. Je l'ai essayé vraiment. L'action parabolique est là, malgré le fait que c'est un extra rapide. Cette nouvelle série-là, on entend parler beaucoup en bien de ça. Ça a l'air fort intéressant. Puis pour l'avoir eu en main aujourd'hui, puis avoir pris 2-3 poissons avec, là, vraiment été agréablement surpris. Là. On parle d'une canne qui se détaille des alentours de 400 $, mais c'est très, 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 très performant au niveau des composantes, etc. Là. OK. Ouais. Puis si on allait du côté du montage Wacky maintenant... OK, oui. Là, toi, moi, j'ai toujours honnêtement pêché le montage Wacky avec une canne de puissance moyenne. Mm-hmm. Toi, encore là, tu favorises une moyenne légère. Oui, moyenne légère. Si quelqu'un, même ça dépend un peu des façons qu'on le pêche aussi, là, tu sais, si quelqu'un, ça lui arrive assez souvent de pêcher son poisson, puis qu'elle saute, puis qu'elle leur crache, d'avoir une canne qui a un petit peu plus de force de pêrage, puissance moyenne, ça peut être bon pour ces gens-là. Ouais. Des fois, c'est une question d'habitude aussi, on apprend. Mais toi, tu préconises moyenne légère. Tout le temps moyenne légère, que ce soit dans la végétation, que ce soit même mon partenaire de tournée, Nicolas, je te regarde. Il me regarde, il me dit, il me tape ses doigts, il dit non, c'est-tu pas si livitesse avec ta medium light? Il me tape ses doigts, puis je dis non, non, Nico, si livitesse, medium light, ah oui. Fait que là, je lance avec ça, puis finalement, on réussit toujours. En étant patient, en prenant notre temps, il rentre toujours au bateau pratiquement. Donc, c'est vraiment ça, là, medium light, medium légère, excusez-moi, avec. Une action parabolique quand même. Moi, ma canne préférée, c'est la 6 et 10. J'aime une canne plus courte pour faire du synco parce que surtout, on va faire des quais, on va faire des structures, tu sais. Donc, on n'a pas besoin de nécessairement aller chercher une distance de lancer, puis on va avoir une mobilité là, pour vraiment aller, pardonnez-moi l'anglicisme, skipper en dessous des quais. En fait, c'est de faire rebondir comme un galet le leurre en dessous des quais. Fait qu'on est capable d'aller vraiment chercher une distance. Là. Parce que des fois, je vous le dis, là, quand un poisson est éduqué, il est en dessous d'un ponton. Il va être en arrière, proche du moteur. Puis si t'es pas capable de rentrer ton leurre dans sa face, oublie ça, tu le pogneras jamais. Fait que là, ça permet vraiment d'aller chercher des poissons que si on n'était pas capable d'aller chercher, on les pognerait pas. Là. Ils sortent pas de là, c'est vraiment dans ça. Dans le fond, une canne un peu plus courte, c'est plus facile à manœuvrer. Mm-hmm. Donc, on est plus habile pour réussir à placer le leurre exactement où on veut. C'est ça, exact. Fait que c'est pour ça. Donc, c'est pour ça le 6 et 10. Et non, le 7-3, 7-4. Un de mes amis, un de mes bons amis, il l'a essayé avec une 7 et 6. Ça marchait pas. Fallait vraiment être loin du bateau, toujours à bout de lancer. Puis plus que tu es loin, moins que tu es capable d'aller vraiment chercher le petit trou que tu veux viser. Donc, c'est vraiment ça. Là. Tu préconises-tu là-dedans certains modèles en particulier que tu préfères? Moi, j'ai essayé plusieurs cannes pour le Senko, pour le montage Wacky. En fait, encore là, moi, ma canne préférée que j'ai en ce moment, c'est la Zenon.
Avec le moulinet Zenon, c'est mon combo fétiche, je l'ai toujours dans les mains. Il marche très bien pour le Nedry, c'est juste que tu as un petit peu moins de distance de lancer, mais pour le... Il est tellement léger que s'il arrive un coup de vent, il faut que tu la tiennes comme il faut. C'est ça, c'est pour ça que des fois, je me promène en l'attenant. Mais on parle d'une canne moulinet, la canne pèse 3,2 onces, puis le moulinet, on est dans les alentours de 4,9. Donc, c'est très, 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 très léger. Là. On parle d'un combo canne moulinet à peu près à 8 onces. C'est sûr qu'on comprend tout le monde que Sam utilise des cannes de très grande qualité. Mm-hmm. Je vais vous poser deux questions, puis je vais y répondre moi-même. Est-ce qu'on a absolument besoin de des cannes aussi dispendieuses que ça pour prendre des poissons? La réponse est non. Exact. Par contre, si vous voulez amener votre jeu à un autre niveau, oui, ça vaut la peine d'investir des sous dans des cannes de cette qualité-là.